Alors, est-ce que je le rabaissais? Oh, et puis non, allez. Tu sais quoi? T'as voulu fuir? Alors, tu meurs! Aïe! En repli, non, 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 toi, tu ne te replies pas. Viens ici. On se reverra, permis. Non, 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 tu vas pas aller bien loin. Voilà. Tu as voulu empêcher mon capitaine de faire son boulot. Je suis pas d'accord. Alors, faites voir. Ce truc, il sert à rien. Tuer un capitaine enragé avec une arme longue portée. Faudrait que je le fasse, ça, tiens. Terroriser 5 ennemis, c'est à la limite, c'est faisable. Mais non, allez, j'en veux pas. J'en veux pas, j'en veux pas. L'armure, 365. Ouais, mais elle a pas d'amélioration, donc ça m'intéresse pas. Ok, parfait. D'ailleurs, en parlant d'amélioration, est-ce que j'ai pas des armes à améliorer, moi? Oui. Bim, voilà. Dégâts accrus de 42% contre les ennemis enflammés. Très bien. Ça, non. Ça, non. 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 Et je peux améliorer l'anneau. Alors, les alliés Uruk subissent 50% de dégâts en moins. Bien. Bien, 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 bien. Donc, où en étions-nous? Ah oui, on voulait aller là. Mais... Il y a encore un capitaine dans le coin. Où il a eu le temps de s'enfuir. Non, il a eu le temps de s'enfuir. Ouais. Bon, bah dans ce cas, la mission, elle est là-bas. Allez, on y va. Hop. Pardon, pardon. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, Aquado, je suis d'accord avec toi. Le rôtisseur était un chef de guerre, donc exception. Mais tous les chefs de guerre qui s'enfuient ne seront pas dans mon armée. Faut pas déconner non plus. Hein. Quelque chose vient de bouger par là. Mais non, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Tu tiens rien du tout. Allez, assistons au combat de mon rôtisseur. Et c'est là qu'il va se faire tuer, mon rôtisseur. Tout ça pour ça. Allez, tac, 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 tac. Allons-y. Attendez, juste avant. Pardon. Non, pas toi, lui. Voilà. Alors, voyons. Des informations sur. Toi. Seigneur Cornu. Très bien. Mortellement vulnérable à la furtivité. Bah. Pardon, pardon, ah. Merci, tu m'as rendu de la vie. Donc, la mission. Donc, on est bien d'accord qu'ils ont marqué que je pouvais pas intervenir. Hein. Donc, normalement, j'ai juste à regarder. Allez, attention. On l'encourage, on met le pouce bleu. Je déteste ça. Allez, tu peux y arriver, tu étais chef de guerre avant. Allez, Skoon. Au, 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 au. Allez, Skoon, défends-toi. Il est que niveau 19. Tu peux le faire. Hé, hey, c'est déloyal, pourquoi ils attaquent Skoon? C'est déloyal. Et pourquoi il n'y a pas des orques qui attaquent le gars sur son Karagor? Ah, bien! Brûle le Karagor! Bien joué, Skoon! Allez, vas-y! Bien! Joli, tu as tué le Karagor! Allez, tu l'as hébété! Joli! Allez, Skoon, vas-y! Relève-toi! Regarde, il est hébété, profites-en! Ah, mais non, c'est moi qui suis hébété! Autant pour moi! Oh, c'est quoi ce qu'il a fait, cette attaque de ninja là? C'est quoi ce qu'il a fait? Bon, ben je crois que Skoon, c'était pas forcément. Il était métal, mais c'est pas forcément.
L'idéal. Allez, vas-y. Défends-toi, brûle-le. Brûle-le, ouais, voilà, vas-y. Allez, bien, bien, joli, joli. Allez. Allez, tu tiens le bon bout, là. Avec le feu, c'est bien. Vas-y, Skoon. Bien. Bon, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit, tiens, géré. Yeah, GG. Skoon le rôtisseur, bien. Et au passage quand même, là il est en train d'infiltrer l'autre. Je sais pas, en tant que chef de guerre, il y avait deux chefs de guerre dans cette zone. Donc l'autre devait être forcément au courant de qui était le second chef de guerre. Il devait être forcément au courant que c'était Skoon le chef de guerre. Et malgré tout, il accepte d'engager quelqu'un qui était chef de guerre, qui a été rétrogradé. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Bon, parfait. Ah, j'ai une cape de rôdeur. Bon ça. Niveau 19. Tuer un ennemi en étant dos à dos de bête. Oh bah c'est pas ça, c'est jouable. Recruter un orc de la tribu des ténèbres de niveau 20 ou supérieur. Ouais, mais je pense que c'est mieux d'essayer d'améliorer ma cape là pour le coup. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant quand j'aurai tué... Il y a deux chefs de guerre. Ah. Ah non, 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 dans les flammes. Attirer Skoll, barbe de métal. Attendez, il y a un autre chef de guerre qui a débarqué. Pourquoi il y a deux missions de chef de guerre? Oh, c'est pas vrai, il y a un autre chef de guerre qui a débarqué. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Intéressant. Bon. Très bien. Alors, ce qu'on va faire pour le moment, on va arrêter de s'occuper des chefs de guerre pour l'instant. On va aller récupérer un petit peu tous les artefacts qui traînent. Et du coup, bah, si on tombe sur des capitaines ou autres, on s'en chargera. Et après, on fera la mission des Nazgûl. Salut les gars! Tac, 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 tac. Allez, prends l'artefact. Alors, voyons. Oh, joli! Cette statue représente Galadriel, une reine elfe vivant dans une forêt légendaire au-delà des frontières du Gondor. Je n'ai trouvé que peu d'indications sur elle dans nos livres, mais je sais que son nom signifie Dame de l'Arbre et qu'elle a, dit-on, une chevelure d'or et d'argent. C'était une elfe royale du premier âge. Quelle merveille elle a dû voir alors que le monde était si jeune. Elle croit pas si bien dire, parce que pour la petite anecdote, faut savoir que quand le monde a été créé à l'origine, ce qui faisait le cycle jour-nuit, c'était pas un cycle comme on le connaît maintenant avec le soleil et la lune, c'était autre chose. Ça veut dire que Galadriel, elle est encore plus vieille que le soleil et la lune. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Bon, parfait. Alors, ensuite, on va continuer... voilà, là il y a de l'Ithildin, tatatata. On va continuer par le sud, là. Voilà, au passage. Que sais-tu, Galadriel ? Si je la connaissais, c'est une tante en quelque sorte. Évidemment, nous n'étions pas toujours d'accord. J'aime bien le en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte ? Un grog. Et. Non, moi je veux monter. Excusez-moi, pardon. Ah, oh. Oh, il fait mal. Wow ! Non, 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 du calme, du calme, du calme. Je veux juste prendre ça, moi. Ah, la carte d'inter du milieu. Du Gondor pourrait facilement oublier combien Minas Ithil était proche du Mordor. Les Gondoriens ne pensent que rarement aux frontières du royaume ou à ce qui se trouve au-delà. Pour eux, la menace du Mordor est en effet lointaine. D'accord. Bon, les gens, parce que j'en vois plein, pas mal qui font les commentaires. C'est normal si vous avez des décalages dans ce live et pas dans les autres lives, parce que ça ne vient pas du live en lui-même, ça vient du jeu qui est mal optimisé et je ne peux rien y faire. D'autres personnes qui font des lives sur ce jeu n'ont pas de décalage, mais eux ils ont carrément des freezes, pour vous dire, alors que pourtant la connexion est bonne, le PC est bon, etc. Ils ont des freezes. Moi à choisir, je préfère ne pas avoir de freeze mais avoir quelques petits décalages qui en général ne durent pas forcément très longtemps. Et pour ceux qui regardent les rediffs, j'ai remarqué que ça disparaissait assez rapidement. Alors. Pourtant ton peuple sait bien peu de choses sur les autres. La toile du destin d'Arachné, voyons. Il faut être capable de détruire tout ce qui a existé auparavant. Même le souvenir du passé doit être effacé.
Ne pas penser à ce qui a été perdu. Uniquement à ce qui sera. C'est l'histoire que le Seigneur des Ténèbres se raconte. C'est l'histoire qui signera la fin de la Terre du Milieu. On verra. On verra. Moi, je suis pas d'accord, mais on verra. Alors, c'est quoi le dessin qu'il faut refaire, là? Attendez, j'essaye de comprendre le dessin qu'il faut faire là. Alors, je suis pas loin parce que la manette vibre. Mais j'arrive pas à voir l'image qu'il faut que je recrée. Ah, bon, bah d'accord, ok, très bien. C'était intéressante cette image. Elle a appris de Sauron, comme moi. Et ses promotions, c'est chef suprême, ouais, ça doit être ça. Alors ces mots sont empreints de sagesse. Empreints de sagesse, je sais pas, mais... là, c'est les... Oui, ça, on l'a fait. Là, c'est les Galgal, d'accord. Donc ça, on verra plus tard. L'Ithildine qui est dehors. Comment je sors par là? Tac. Alors, l'Ithildine, où est-ce qu'il est? Il est juste là en bas. Y'a pas un petit torque? Voilà. Hop, merci mon gars. C'est rien. Alors voyons, qu'y a-t-il d'écrit? H. Night. Non, moi j'ai lu H. Bon, après je dis ça, je dis rien, hein, mais... on va récupérer ça. Pardon. Je fais passer, pardon. Tac. Vas-y, Caragor, attaque! Bien joué! Alors, on retourne dans la forêt. Et j'ai été empoisonné. En même temps, c'était évident. Ah, la clairvoyance, la capacité à voir par-delà les limites de la vue ordinaire, nous a toujours fascinés. Jolie la coupe. Ceux qui la pratiquent disent qu'une eau calme contenue dans une coupe ancienne permet de prédire les nombreux dangers que recèle le Mordor. Ou d'avoir un aperçu de l'éclatant Gondor. Mais la coupe ne voit ni aussi loin, ni aussi clair que le Palantir. Et je me demande si elle ne se contente pas de nous montrer nos plus profonds désirs. C'est bien possible. Ou nos pires craintes, ça dépend. Alors, Mabad, souvenez-vous du moment où Celebrimbor a dominé des Caragor pour mettre leur ténacité à profil bas. Allez, allons-y. Ah non, attendez. J'avais pas vu. Juste avant, là. Voilà. Les elfes pouvaient prédire l'avenir avec ce bol. Oui, et c'était moins risqué que l'utilisation d'un palantir, car ces visions sont à sens unique. Aou! Alors attends, t'es mignon, mais j'ai pas envie de me faire bouffer. Est-ce qu'il y a une entrée de grotte là ou pas? Aou! Non! Bon, je me fais bouffer par du vide! Caragor vous a tué. D'accord, le Caragor m'a tué à 20 km. Bon, c'est pas grave. Pourquoi pas. Alors, nouveau capitaine inconnu. Oui, si tu veux. C'est pas grave. Où suis-je? Là. Bon, mais c'est pas grave. On va aller au sud. Youp. Cette région est réellement maudite. Pour l'instant... Mais nous ramènerons la lumière dans le Mordor. Oui, si on veut. Ah tiens, ce serait. Attendez, ce serait. Si j'y arrive, ce serait stylé de pouvoir y aller à dos de Drake. Allez, descends. Voilà, doucement. Oh, il fait mal. Ah, allez. Allez! Ah, bien joué! Ah! Merci, mon ami! Il est brisé! Le Drake est brisé! Attends!
Bah oui, maintenir, mais il faudrait que le Drake descende en fait, si je veux le... Tiens, redonne-moi un peu de vie, toi, s'il te plaît. Merci. Allez, descends. Reviens ici, descends, saleté de Drake. À moi. Voilà, allez, on y va. Bien. Alors tu vas descendre, t'es un petit peu trop haut. Alors attendez, je vais où là? Je me dirige, ouais, par là. Ok. Aïe. Voilà, ensuite on passe par là. Oui, le crâne rouge que tu as vu, Evan, c'est rien, il faut lancer la mission pour le capitaine, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. J'aimerais bien qu'on avance un peu. Alors normalement il y a une entrée de grotte qui devrait être juste là. Si je ne me trompe pas, ouais c'est là. Ok, merci. Allez, continue sans moi mon ami. Oh, des ghouls. Salut. Ah, pardon, désolé, un petit truc qui s'est lancé, une fenêtre qui s'est ouverte sur le bureau. Alors, hop. Hop. Certains considèrent les anneaux comme de simples parures destinées à décorer les doigts. C'est un anonin, ça, mais non? Cette chevalière indique que son porteur est un seigneur du Gondor de la lignée d'Amasir. Ah, une chevalière, ouais. Et ses motifs forment un sceau qui estampille une lettre aussi sûrement qu'une signature. C'est peut-être tout ce qu'il reste de la lignée d'Amasir, qui s'est éteinte quand Minas Ethil est tombée. Ouais, enfin, ça ressemble quand même beaucoup plus à... Il est plus puissant qu'un simple bijou. À une manufacture naine, quand même. Bon, ok. Très bien. Ensuite, on continue vers le sud. Hop, dégage-toi. La famille Amasir. Je les ai connus il y a longtemps. Je doute qu'ils... Tiens, viens avec moi, toi. On ira plus vite comme ça. Ah, mangez. What the... Ok, merci mon ami. Alors, pardon. Donc, souvenez-vous du moment où Celebrimbor a dominé les Karagor. Voyons ça. Mabad, aucun artisan ne réussit au premier essai. Il faut une volonté d'acier pour persévérer et triompher. Dominer le Karagor de chef de meute, d'accord. Et quels sont les objectifs secondaires? Le temps, probablement. Non, juste le dominer. Bon, alors. Atteignez la forêt, très bien. Allez, venez, suivez le chef. Allons semer la mort et la ruine au Mordor. Ah, ils sont mignons, les petits Karagor, ils me suivent. Alors, que faisons-nous dans la forêt? Triompher de 50 ennemis dans la forêt. En avant! À la charge! Alors, des exécutions à dos de bête. Et de une, et de deux, et de trois. Aou. Et de quatre. À terre. J'ai dit à terre. Terre, saleté. Voilà. On continue. Allez. Là, on découvre un peu la mission et la prochaine fois, il faudra le finir dans les temps. Hop. 5.
Ah, je suis en train de tuer mes Caragors, moi, au passage. Et 6, voilà. Ah non, 5, ça va pas compter comme une exécution tout à l'heure. Voilà, 6, allez. Ouh, la décapitation. Aïe, 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 aïe. Ça suffit. Nourris-toi de sa chair, Caragor. Ah. Ouais, ça va être chaud à le faire dans les temps quand même, hein. Allez, meurs. Voilà, vite. Ouais, 30 secondes pour en tuer 16. Je sais pas si on va y arriver, on va voir. Allez, allez. Non, je le finirai pas dans les temps, pas cette fois en tout cas. Ah, mon Caragor est mort. Bon ben, ah attendez, à moins que... est-ce que je suis obligé de les tuer à d'autres Caragors? Parce que si je suis pas obligé de les tuer à d'autres Caragors, je me demande si c'est pas plus rapide de le faire comme ça. Et en plus avec la rage elfique. Voilà, je me demande si c'est pas plus rapide de le faire Bon, on va réessayer. Déjà, je vais essayer réessayer sans tuer mes Caragors, ça marchera peut-être mieux. Ah, accessoirement. Mais ouais, il y a moyen, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Enfin, il y a sûrement moyen de toute façon. Un artisan ne réussit au premier essai, il faut une volonté d'acier pour persévérer et triompher. Hop, loupé. Viens là. Allez, on y va. Atteignons la forêt. Je vais essayer de pas tuer mes Caragors. Tac, tac, tac. Et peut-être pour la dernière zone, je le ferai à pied plutôt qu'à d'autres Caragors. J'ai l'impression que ça irait plus vite. Enfin, je sais pas, à essayer, mais à mon avis. Allez, une exécution. Deux exécutions. Trois. 4 5 et 6. Voilà. Ouais, forcément quand je tue pas mes Caragors, ça va plus vite. Allez, on y va, on continue. On continue, on continue. Si je tue pas mes Caragors, ça va plus vite. Salut. Voilà. On y va. Allez mes Caragors, faites le boulot. Ils sont pas venus mes Caragors, ils sont tous morts, sans déconner. Aïe 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 aïe. Ah.
ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, ça va être compliqué. Alors pourquoi je fais des exécutions? Simplement pour que mon Caragor se régénère un petit peu. Mais là pour le coup ça me paraît un peu compromis la mission. Allez, on va essayer, on va la faire à pied la dernière, on va voir. Ah, mais c'est pas vrai! Ah non, c'est bon. Allez, rage elfique. Rage elfique, rage elfique, rage elfique. Allez, allez. Allez, allez. Et voilà. Normalement, on l'a fait dans les temps. Voilà, parfait. Parfait, parfait. C'était plus facile comme ça. Sauron m'a montré l'unique. J'ai vu qu'il était imparfait. Il m'a fallu une volonté acharnée pour l'améliorer et une ténacité encore plus forte pour créer le nouvel anneau. Alors, déverrouiller une nouvelle aptitude, qu'est-ce que je vais prendre? À force, je sais plus quoi prendre, tellement il y en a des aptitudes. Là, c'est... qu'est-ce qui se passe un petit peu, là? Carquois d'arc. Votre tir d'elfe est rechargé quand vous drainez un ennemi. On va prendre ça. Ah non. Ah bah non, non, je suis obligé de garder la domination, là, forcément. Frappe puissante. Déflagration finale. Déclenche un souffle de feu quand la rage elfique prend fin. Ouais. Appuyez sur A pour bondir par-dessus un ourouk et le geler. Ouais, ça, on va prendre ça. Ça, c'est intéressant. Ça, clairement, ça, c'est intéressant. Ensuite, au niveau de l'inventaire, dans les runes, celles que j'ai gagnées là, c'est juste des runes comme ça? Non, j'en ai gagné une là qui fait 20% de dégâts avec cette arme. Donc là je suis à 15 et là je suis à 15. On va augmenter les dégâts de l'arc. Voilà. Ensuite, là. Hop. Tac. Expérience gagnée plus 12,5%. Et là donc vous me dites que si je mets ça, les capitaines gagnent automatiquement 4 niveaux quand ils sont recrutés. Ah bah écoutez, ouais. Clairement ouais. Ouais 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 ouais. Boost de puissance dès qu'ils sont recrutés. Je dis pas non hein, franchement. Alors juste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là il y a un artefact de Lithildin, une mission de Celebrimbor, ensuite là de Lithildin là-haut, un artefact là, de Lithildin là, un souvenir d'Arachné, de Lithildin. Ok. Vous savez quoi, on va se TP ici. Comme ça on récupère Lithildin et ensuite tac 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 on redescend jusqu'à la forteresse qui est là. Allez, on va faire. Non, j'ai mis avancer dans le temps. Oh le boulet, j'ai mis avancer dans le temps au lieu de mettre téléportation. Ok. T'as vu, c'est juste purement craqué. Mais tout est craqué dans ce jeu tout au bout d'un moment. Allez, c'est pas grave. Couché. Voilà. Petite vérification. Petite vérification. Personnage. Je vais y arriver. Tac, 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 tac. Je cherche un truc. Et maintenant, je sais plus ce que je cherche. C'est bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Excusez-moi, je cherche. Contre fatal. Non. Tempête de feu. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Faut que je pense à l'utiliser. Je pense jamais à l'utiliser ça. Bon, je sais plus ce que je cherche. Non, bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on va prendre les tildines. Juste de l'autre côté. C'est rien, c'est rien. Alors, qu'avons-nous là? Une. Ouais, bon, d'accord. Je suis très mauvais en lecture de l'elfique, c'est pas grave. Ensuite, donc l'avant-poste, on le prendra plus tard. D'abord, on récupère les artefacts et ensuite, on s'en occupe de l'avant-poste. Eh oui, le rôdeur est revenu. Salut les gars. Pardon, c'était au milieu. Tic 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 tic. On continue. Allez, en mode Sonic. Pam 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 pam. Oh. Oh, il est brisé. Il est brisé. À nous. À moi. Combat à dos de greux. Allez, et oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Dégagez les caragors. Allez, allons-y. À l'attaque, à l'assaut de l'avant-poste. Tu penses qu'il faut être né en terre du milieu pour parler l'elfique? Tu crois pas, c'est bien dire. Tu sais que, mine de rien, Tolkien, il a inventé. C'est vraiment des langues, hein. L'elfique est vraiment considéré comme une langue. Il y a de la conjugaison, de la grammaire, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment considéré comme une langue, mine de rien. Alors, hop. La bibliothèque les contes de la lointaine contrée d'Umbar. Mais elle reste le plus grand regroupement de savoir à des lieux à Umbar. Quand j'étais petite, les connaissances rassemblées là me faisaient rêver. Il y avait de tout, de l'histoire à la poésie, en passant par des livres de recettes d'une époque révolue. Ce livre, Conte de la lointaine Umbar, était l'un de mes préférés, relatant les aventures des pirates de jadis. Les véritables pirates sont certainement moins nobles que dans les histoires. Ah, c'est sûr. Mais ils ne peuvent pas être aussi cruels que les orques. Ouais. Va dire ça à tous ceux qui ont été tués par les pirates d'Umbar pendant la... fin du troisième âge. Je suis devenu rôdeur. Oui, mon Caragor. Je pensais voir le monde entier. C'est toujours pareil. Les ambitieux prospèrent au détriment des imbéciles. C'est un peu ça, ouais. Non. Non, mais non, non, je veux chevaucher mon Caragor. Mon Grog, voilà, merci. Allez, couchez. Alors, rentrons. On a encore des artefacts. On a quoi de l'Itildine? Une mission de... ouais, voilà, une mission de Celebrimbor. Alors, c'est, tout est au même endroit, alors allons-y. Tac, 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 tac. Un ennemi donne l'alerte, on s'en fout. On y va, allez. Hop. Hein? Toi et moi devions nous retrouver maintenant. Ah bon? Et en ce lieu. Ah bon? Je me suis préparé en vue de cet instant depuis le jour où on me l'a prédit. Maintenant que l'heure a sonné, je me réjouis d'avance de te voir périr. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Ah bah écoute, si tu veux. Mais tu vas devoir m'affronter avec mon Grog. Ah, il y en a un autre là-bas, capitaine. Allez. Ha. Ouh. Ah, gnam, gnam, gnam. Dégagez. Dégagez. Mange, mange, mange. Mange. Salut Maël, bienvenue. Allez, bim. Et bim. Dégage toi. Qu'est-ce que tu fous au milieu? Et bim. Et bim. Tiens, mange. Tu as bien le droit de manger un petit peu. C'est tellement craqué. Ah, je n'en ai rien à foutre que tu sois brisé. Tu vas mourir. Tu as voulu me défier? Eh bien, tu vas crever. Ça y est. Voilà. Et là-bas, il y en a un autre. Ougol.
Le maraudeur. Ah, c'est un arbalétrier, ça pourrait être intéressant. Bon, c'est bon. Non, je veux descendre. Voilà. Allez, va t'amuser un petit peu, mon Grog. Pendant ce temps, Papa Talion, il a des trucs à faire. Garen, ouais, très bien. Alors, la mission de Celebrimbor, voyons. Exécuter les orques qui refusent de se soumettre au Seigneur de la Lumière. Allez, ça me va. Qu'est-ce qui a provoqué l'invasion du Mordor? Faelas, la vertu de la justice. Sauron m'avait trahi, moi et mon peuple, et j'étais déterminé à le faire payer. Alors, tuer 15 orques à l'aide d'explosions. Attendez. À l'aide. Au. À l'aide d'explosions, tuer un Drake. D'accord, ok. Alors d'abord. On va essayer de prendre le Drake. Non, pas lui. Non. C'est le Drake qu'il faut attaquer, imbécile. À moi. Oh, saleté. Bon, c'est pas grave. Alors, tuer 15 orques à coup d'explosion. Je pense que le plus simple, c'est de prendre le Drake, hein. Pour ensuite faire la boule de feu, là. À moi! Mais arrête de bouger! Bon, tu commences à me gonfler, le Drake. À moi! Voilà! Allez, brûlons le Drake, tiens, on va essayer. Aouh! Bien joué! Bien joué. Alors attendez, où est-ce qu'ils sont les petits orques? Ça compte comme une explosion, parfait. Brûlez! Ah, j'avais pas vu, c'est un versus le Drake. Enfin, c'est un versus le Drake, oui. Enfin, vous m'avez compris. Échec de la mission. Ouais, j'avais pas vu que c'était un versus. Donc du coup, on va soumettre rapidement le Drake et après on fait exploser les orques. Allez. Oui, blablabla. Allez, Calimero, arrête un peu. Eh ben ouais, j'en ai déjà tué 10. Bon, alors finalement, peut-être pas besoin. Est-ce que les flammes ça compte? Non, ça compte pas les flammes. Descends le Drake, descends. Ou les orques plutôt, venez là, vous voulez pas venir là? Non, vous voulez pas venir là. Bon, très bien, alors on va devoir faire autrement. Là j'ai rien pour faire exploser. Il va falloir le faire descendre. Allez, descends. Descends, allez. Oh, c'est pas vrai. Descends. Aouh. Bien joué. Allez, descends, je perds du temps là. Bon, si tu veux pas descendre, tu vas crever. Ah bah j'ai plus de tir d'elfe. Autant pour moi, on va en récupérer. Oh,
Parce que là, je suis en train de me faire des gros. Enfin, je vais perdre parce que le Drake en a tué plus que moi, mais simplement parce que lui, voilà, c'est pas le bon qui a atterri. Bon, au moins, j'aurais exécuté un Drake. Joli. Joli, joli. Bon, bah écoutez. De toute façon, foutu pour foutu. On peut pas mettre recommencer directement. Non. Alors, si on peut pas mettre recommencer, on va attendre que ça se finisse. Tu veux pas descendre? Ah bah, mais c'est un peu tard pour descendre, franchement. C'est avant qu'il fallait descendre. Bon, tant pis, hein, maintenant c'est fait, mais... C'est avant qu'il fallait descendre. En fait, c'est ça, il faut que j'arrive à choper le Drake le plus rapidement possible. Alors, je sais pas, je vais essayer peut-être avec le chevauchement spectral, ça marche peut-être. Je sais pas si... je sais pas. La vertu de la justice. Alors, première chose. Moi et mon peuple, et j'étais déterminé à le faire payer. Alors là, j'en ai eu 9. Ok. Est-ce que le chevauchement spectral... Non, il marche pas, le chevauchement spectral. Alors, dans ce cas... Allez. Ah, maintenant qu'il est brisé, remarquez, ça marche peut-être. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Ah, toi. Mais non, pas lui. Imbécile, c'est pas lui que je veux exécuter. Aou. Reviens ici. Bon, c'est pas grave. Est-ce que le chevauchement spectral, maintenant que lui, il est brisé... Non, ça marche. Ah, si. Voilà. Allez, 13 sur 15. Parfait. Alors, on en tue plein. Ensuite, on élimine le Drake. Voilà, allez. Hop, élimination du Drake. Ouh, la décapitation en l'air. Joli, Celebrimbor. On élimine l'autre. Enfin, l'autre, remarquez, maintenant il y a plus que, il reste plus que celui-là. Donc on peut peut-être finir. Ah non, il y en a un autre qui est arrivé. Il repop, les Drake. Bon, mais dans ce cas, s'il repop, allez. Tac, 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 tac. Oh. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Chevauchement spectral. Ah bah voilà, bah tiens, Vincent, on a eu la même idée. Chevauchement spectral quand il est brisé. Exactement. On a eu la même idée. Allez, combat de Drake. Yeah, je suis pas sûr de lui faire vraiment des dégâts. Peut-être avec les explosions à la limite, mais c'est tout. Là, il y a un regroupement. Voilà. Qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Allez, c'est bon. C'est le GG. Alors, dans ce cas, avant la fin, allez. Ouh, la décapitation. Parfait. J'ai poussé Sauron au bord de la défaite, mais la justice m'a échappé. Alors, on s'occupe du monument qui est là. Tu vas rien faire construire du tout. Trop tard. Alors, on va, vu qu'on est là, tant qu'à faire, on va s'occuper du camp pour affaiblir un petit peu la zone. Alors, déverrouiller. Ah, bah déverrouiller une aptitude, je veux bien. Qu'est-ce que je vais déverrouiller? Pour générer de la puissance. Ça fait quoi là? Et les exécutions à dos de Grog régénèrent davantage de santé. Ça pourrait être sympa. Mirelfic gèle les ennemis.
Ouais, non, mais ça. Tempête de glace, gelure, puis de glace, on s'en fout. Voyons, là par exemple, frappe de l'ombre. Si je l'améliore, chaîne d'ombre. Appuyez sur X ou Y pendant une frappe de l'ombre pour déclencher des... enchaîner des ennemis supplémentaires. Ouais. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça, très sincèrement. La brutalisation fait fuir davantage d'ennemis. Vous donne de la bonus de puissance. Là, les coups critiques peut-être. Vos chances de coups critiques augmentent au fur et à mesure que votre santé diminue. Quand le compteur il atteint 20. Appuyez sur X quand votre coup atteint la cible pour augmenter nettement vos chances de coups critiques. Ouais. Bouclier spectral, ça m'intéresse pas. Alors, les aptitudes nécessitant de la puissance ne consomment plus entièrement la puissance. Ça, c'est complètement craqué. Je prends. Mais c'est juste complètement craqué. On va bien, d'accord. Une armure. Non, ça m'intéresse pas. Ok. Alors, il y avait une rune blanche pas loin, si j'avais... Voilà, juste à côté. On peut toujours aller la récupérer. Voilà. C'est une rune gratuite. Ensuite, on va s'occuper de ce camp. Merci mon ami. Redonne-moi un petit peu. Voilà, de rien du tout. Très bien. Alors, l'avant-poste, voyons. Triompher du chef de l'avant-poste. Oui, mais comment je fais? En tuant rapidement et furtivement les ennemis. Ça marche. Tu te retrouveras tout seul rapidement et sans aucun bruit. Parfait. Alors. Alors, furtivement, il a dit. Hein. Donc. Voilà. Ah mais non. Attends, je dois faire une élimination furtive aérienne. La mort venue d'en haut. Voilà. Tac 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 tac. Allez, une deuxième. Ah mais non, mais ne vous en allez pas. Voilà. Et de 3. Alors, ils sont juste là. Non, lui, je peux pas l'éliminer furtivement. Il est un peu trop gros pour ça. Alors. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait le temps. Eh oui, forcément, ils disent rapidement. Allez, hop. Et voilà. Ah, pourquoi pas. Avec sa crête, il est mignon, on dirait un coq. Ça risque d'être un peu plus bruyant et un peu plus rapide. Alors le coq, fais voir. Je connais pas tes points faibles. Alors on y va. Non mais tout vous m'attaquez là, hein? Oh oh, vous avez pas l'impression que je suis occupé là? Allez, disparaissez. Toi, t'es à moi. Ah, bien joué. Qui c'est qui m'a attaqué? Bien joué toi. Allez, toi, je te veux. Hop, toi, t'es à moi. Merci. Le maître de lumière marche en toi. Salut mon gars. C'est pas vraiment le moment de faire le malin. On est un peu trop nombreux, hein. Il a vraiment une seule tête en fait. Il fait pas crédible, je trouve. C'est lui la cible, pas moi. J'arrive.
Au, 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 les calmes, les calmes, les calmes. Enragé par les acrobaties, tiens, et, c'est... et ça, ça t'enrage. Allez, viens, monte. Je vais. Je sais pas ce que je vais faire de toi, d'ailleurs. Hein? Je crois que je vais t'étriper des deux côtés. Toi, tu m'intéresses plus, t'as une arbalète. Attends deux secondes. Alors, qu'est-ce que je fais de toi? Est-ce qu'on le recrute? Oh, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, allez. Absolument, absolument. Tu vas commander. Ça fait quoi si je mets commander? Ah oui, commander, d'accord, lui donner un ordre. Tiens, vaf. Essaye de tendre une embuscade à cet autre chef de guerre. Voilà. Et puis tant qu'on y est, vu qu'on en a un autre à côté là. Tu as reçu 3 niveaux et moi j'ai gagné un point d'aptitude. Parfait. Et je suis niveau 20, très bien. Alors là où il y a des améliorations que j'ai pas encore pris. Enfin, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme amélioration? Là j'ai mis quoi? Vous gagnez plus de puissance chaque fois que vous subissez des dégâts. Ouais. Là j'ai mis quoi? Contre fatal. Bouclier spectral, fureur. Ouh! Regardez, regardez! Bouh! Oh, ça peut être sympa ça! Ouais, je gagne un bouclier. Oh, allez, on va prendre le bouclier. Allez. Hop. Allez. Oh, mais tu sers à rien, toi. T'es déjà terrifié? Bon, alors attendez, s'il est terrifié. Parce que mine de rien, un petit archer, pourquoi pas? Non, pas lui, pas lui. Lui, là. Reste là. Reviens ici, imbécile. Ah, il s'est échappé. Viens ici. Tu cours bien vite. Mais tu es à moi. Je vais le recruter pour l'envoyer. L'envoyer éliminer quelqu'un. Alors, je vais. Tu vas commander. Enfin, je vais te commander plutôt. Et tu vas aller m'éliminer ce capitaine-là. Allez, archer contre archer. Confirmez la mission. Parfait. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Voyons. Là, on n'a plus rien. Il y a ce souvenir-là que je vais récupérer. Ensuite, on va partir prendre... ce qui nous manque, les trois trucs là, et puis on est bon. J'ai fait toutes les missions. Ah non, j'ai pas fait toutes les missions de Celebrimbor. Il me faut domination de l'ombre pour ça. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va prendre le souvenir d'Arachné qui est là. Le déplacement rapide n'est pas disponible parce qu'il y a l'alerte qui est donnée, c'est ça? Ou parce qu'on m'a repéré, je sais pas. C'est pas grave, au pire, on peut y aller. On peut y aller à pied, allez, pardon. Tac. D'accord, faut monter, ok. Allez, on y arrive. Les Karagor, foutez-moi la paix. C'est pas le moment. Non mais Evan, j'ai dit que je la faisais pas maintenant l'attaque de la forteresse. On va d'abord, je finis d'abord de ramasser mes artefacts. Après on fait la quête des Nazgûl. L'attaque de la forteresse c'est en dernier. Je sais bien que je peux faire attaque de la forteresse, mais pas maintenant. Alors, le souvenir d'Arachné, il est là. Je lui parlais autrefois de la beauté de l'Orne, de la splendeur de ses collines, de ses forêts. Tout cela ne l'atteignait pas. Tout ce que Sauron voyait dans le monde,
c'était le chaos. Bah. Une perfection qu'il était venu corriger. Mais genre. Parfait. Genre Arachné, elle s'inquiète de ce qui se passe dans le monde, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Elle s'inquiète des forêts. Bref. On est pas mal là, non? Non? Ok, bonjour madame. La seule imperfection de Nourne, ce sont ses orques. La notion de perfection de Sauron est misérable. Déverrouiller une aptitude, alors qu'est-ce que je vais déverrouiller? À force, ça commence à devenir un peu trop craqué. Ça, c'est quoi déjà? Réussissez votre dernière chance au moment parfait pour tuer instantanément l'ennemi. Bon, allez, prenons ça. Tu peux mettre un capitaine de guerre en bleu. Ah oui, éventuellement, oui, je peux faire ça. Effectivement. Pourquoi il y est plus là, lui? Ah oui, parce qu'il est en infiltration, donc il y est plus, forcément. Forcément. Ça doit être... Enfin, je pense que c'est ça. Ouais, il est en infiltration, donc il peut plus être. Alors, un meneur. Non, toi, t'es censé devenir capitaine. Toi, t'es un assassin. Ah, ça peut être rigolo. Allez, ça peut être rigolo. Armée de défendeurs, et toi, du coup, bête de siège ardente. Oh, bête de siège toxique ou bête de siège maudite. Ardente. Ils brûleront par les flammes. Bien. Ok, donc. Ensuite, une petite téléportation ici. On prend le dernier Itildin. Déplacement rapide n'est pas possible. Faut sortir de la grotte, c'est ça? Au. Non mais... Garde tes petits arachnés. C'est bon, je peux. Allez. Alors, l'Itildin, il est là-bas. Y'a pas un petit orc à peu près pour que je me téléporte, toi là-bas. Voilà. Et en plus, tu vas me donner des infos. Alors, tu vas me donner des infos sur... Sur qui? Sur toi. Y'a que des... Oh, qu'il est moche. Y'a que des trolls et c'est fou ça. Ok, merci mon gars. Allez, va te faire un tour. Alors. Après, on prendra le campement aussi tant qu'on y est, hein, vu qu'on est là. Alors. Ku. Ang. Ok. Non, moi j'ai lu Ku. Alors, ça c'est bon pour les Itildin, donc on verra ça après. Il me manque. Ah oui, là-bas. Alors, vu qu'on est là, on va s'occuper de détruire le monument. Et on va lancer après la mission pour le campement. Allez, bonne nuit, Fantasio, à demain. Hop. Je préviens de faire venir les gars. Bah j'ai lancé un marteau dessus, pourquoi? Alors, hop. Bon, on s'en fout, sol rôdeur. Alors, le campement, on va affaiblir la puissance de la zone. Enfin, le campement à l'avant-poste. Ah, il est stylé, lui, j'aime bien. Lui, pour le coup, je l'aime bien. En tuant ses archers, pas de soucis. Oh, on va essayer de le recruter, il a une bonne tête, lui. Ces archers ne te protégeront pas longtemps. Je les aurais plutôt convertis, moi, les archers. Est-ce que ça compte si je les convertis? Alors, attendez. Un, on va le tuer.